Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct depuis le site olympique de Sotchi sous la pluie pour vivre la quatrième manche de ce championnat 2017 de Formule 1. Nous faisons une dernière escale avant de rejoindre l'Europe et le Grand Prix d'Espagne. Alors que les premières images du paddock nous parviennent, on va assister ensemble à un week-end très intéressant puisque certains doivent réagir avant le retour en Europe pour déjà bien entamer leur saison. La plus faible est au programme dans cette première séance du vendredi matin. Vous le voyez, 17 degrés température dans l'air, avec, on l'espère, quelques voitures qui vont sortir dans cette première séance avant de laisser place, on l'espère, un peu plus de soleil pour la fin de l'après-midi. On va faire ensemble un petit point sur ce qui s'est passé depuis le début de saison. Et pour cela, on va commencer par voir un petit peu les résultats de la première séance d'essais libres où très peu de pilotes ont rentré un chrono, en tout cas. Tous étaient sortis en intermédiaire et le but était de ne pas casser la voiture. C'est tout de même Fernando Alonso qui a été le plus rapide de cette première séance. Of course, that's a good start for the weekend, but I feel something really, really strange on the car, on the steering in the fast corners. Can you look at that, Jeff? Alors que nous sommes en caméra embarquée avec le leader du championnat pour quelques petites unités face à son équipier, c'est Stoffel Vandoorne avec 58 points qui mène pour l'instant les débats, et nous sommes ici en caméra embarquée donc avec le pilote McLaren qui se plaint de sa direction. On a entendu le message à la radio où il expliquait qu'il avait des soucis peut-être au niveau de la gestion de son train avant. Et on confirme également que la fin de la séance se déroulera sur piste sèche. La piste de Sotchi, vous la découvrez, c'est la quatrième fois que l'on vient ici donc pour un Grand Prix, et cette saison s'annonce assez disputée entre les pilotes McLaren puisque 3 points les séparent pour le moment en tête du championnat devant Valtteri Bottas qui a bien commencé sa campagne 2017 au sein de l'équipe Mercedes AMG. On va voir si le pilote finlandais peut continuer à tenir tête à Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui a été extrêmement frustré à l'issue du Grand Prix précédent puisque ça ne s'est pas passé comme prévu, déjà sous la pluie, et ça succédait à un Grand Prix où il avait dû abandonner. Rappelez-vous, il avait été percuté une Force India, celle de Sergio Perez qui avait crevé, c'était à Bahreïn, et donc un début de saison difficile pour le champion du monde en titre. On va voir s'il peut redresser la barre dimanche face au McLaren. Alors que l'on termine la découverte de cette piste avec une des plus longues lignes droites de la saison, hein, avec celle de Bakou et celle de Monza. Le dernier droit ici et le chrono qui s'arrête juste ici. Great stuff. You've pretty much nailed this circuit. This is a really strong foundation to build from over the weekend. Et une deuxième séance d'essai libre qui s'est bien passée pour Stoffel Vandoorne. On ne cesse pas le travail dans cette deuxième séance puisque la pluie menace tout simplement pour la fin de la journée et pour demain matin. Donc en prévision de cela, on va beaucoup travailler. On va aligner une vingtaine de tours du côté de chez McLaren après avoir donc tenté de battre un certain record pour la gestion des pneumatiques et la découverte du circuit. On verra si pour la troisième séance d'essai libre du samedi matin, on pourra travailler du côté des pneumatiques. On est désormais à l'attaque du chrono du côté de Stoffel Vandoorne, chaussée en pneus super soft. Les pneus alloués pour ce quatrième Grand Prix de la saison seront donc les pneus super soft à bande rouge, les pneus soft à bande jaune et les pneus médium à bande blanche. Dans l'ordre de citation, ils seront du plus au moins performant et du plus court au plus long en termes de gestion et de capacité de travail sur la piste. La piste qui s'annonce assez sale pour les pilotes pour différentes raisons. Il y a beaucoup de vent depuis le début du week-end et on a constaté surtout que la pluie n'aide pas à gommer cette piste qui est quasiment jamais utilisé. Quelques formules de promotion. La Formule 2 s'est produite ce matin. Vous le savez, la FIA a voté le changement de nom. Le GP2 est désormais devenu la Formule 2 officiellement. Et hormis ces deux courses, peu de choses se sont passées sur le circuit avant l'arrivée en piste des Formule 1. Et on va donc terminer le tour en compagnie de Stoffel Vandoorne et de la McLaren qui a l'air de bien fonctionner malgré les petits soucis rencontrés avec la direction. On a vu
Alonso aligné donc, je le disais, 27 tours contre 21 pour Stoffel Vandoorne. Et voilà, c'est terminé pour le pilote belge. Et les résultats donc sont assez édifiants. La première place pour Vandoorne devant Vettel, et Fernando Alonso a de son côté travaillé en pneu soft. Il obtient une très jolie cinquième place. Seuls les deux Sauber de Pascal Wehrlein et Marcus Ericsson ont terminé leur séance en pneu médium. I'm out of the car. La grosse sortie pour Stoffel Vandoorne, c'était au tout début de la troisième séance d'essai libre dans les Tech Pro. Le pilote belge est heureusement sorti de sa voiture sans souci, mais la McLaren est détruite et c'est déjà de mauvais augure pour la suite de son week-end. On l'a entendu à la radio, ça a tapé très très fort dans cette troisième séance, donc animée par la pluie. Ce n'est pas le seul pilote à s'être fait surprendre. Vous le voyez, Lewis Hamilton a un chrono assez moyen puisque eh bien, il n'a pas pu rentrer un chrono correct, terminant également sa séance dans le mur dans le dernier virage à la réaccélération. Il était sur l'AstroTurf. Après ces séances d'essais libres assez mouvementées, place aux qualifications avec les objectifs habituels pour Stoffel Vandoorne, même adversaire pour cette quatrième manche. Samedi, jour de qualification à Sochi, et le soleil est présent pour le plaisir des fans et des nombreux spectateurs. C'est assez surprenant, mais il y a pas mal de succès encore pour le Grand Prix de Sochi. On est un petit peu éloigné des autres manches sur le globe, donc c'est intéressant de voir que le public répond toujours présent ici. Stoffel Vandoorne, donc avec une McLaren remise en état pour la qualification, mais eh bien, elle n'a pas roulé, donc on ne sait pas comment ça va se passer pour lui dans cette Q1 avec... La tentative du pilote belge, voilà. On déclenche le chronomètre pour Vandoorne. C'est parti avec cette grande courbe et une zone de détection de DRS. La première ici, regardez, on va très très large. On va ensuite arriver sur un freinage à droite qui se prend normalement dans le meilleur des cas en troisième avec une voiture ayant un appui plutôt correct. Et ensuite, une interminable courbe sur la gauche. Regardez ça. À fond de 7ème, on retombe en 4 ou en 3, c'est selon votre boîte. Pour repartir vers le deuxième secteur, voici le premier intermédiaire. Et Vandoorne est en avance de 4 centièmes de seconde, mais c'est sur la manœuvre de Jordan King. Les manœuvres qui, depuis le rachat par Mercedes, eh bien, s'en sortent plutôt bien. On évoquait à la fin du Grand Prix précédent Jordan King, pour l'instant 11ème du général avec 4 points. Il est au même stade que certains pilotes avec des voitures bien meilleures telles que les Williams. Donc c'est une très très bonne première entame de saison pour le pilote britannique avec 4 Grands Prix au compteur, enfin 3 pour le moment. Son quatrième s'annonce sous les meilleurs augures. C'est pour l'instant Fernando Alonso qui vient, vous le voyez, de détrôner Kimi Raikkonen qui s'était emparé du meilleur temps. Mais lui en pneu soft, on est très prudent concernant les pneumatiques du côté de chez Ferrari. Même si les rumeurs commencent à venir dans le paddock, des bulletins météo et des prévisions pour demain. Une forte pluie devrait être présente sur le temps de midi, mais est-ce que la piste sera libre de toute goutte d'eau pour le départ? On saura ça demain vers 14h. Pour l'heure, c'est terminé pour Stoffel Vandoorne qui va terminer son tour rapide avec une McLaren qui semble être en bon état à l'issue de cette première qualification. Voilà. Et vous allez le découvrir sur ces images, les soucis ne sont pas terminés pour Stoffel Vandoorne qui va de nouveau se retrouver dans le mur à l'issue d'un nouveau problème de direction. I completely lost the car, I completely lost the steering, what's wrong with this car guys? Oh fuck, I'm off again. Et il s'avérera que c'est un souci hydraulique qui a poussé deux fois la McLaren à perdre sa direction, chose qu'a corrigé McLaren en eh bien, passant outre le couvre-feu instauré par la FIA pour la première fois cette saison, mais c'était pour des raisons de sécurité. Voici les objectifs du leader du championnat. Le pilote belge devra faire 6ème et battre Fernando Alonso à l'issue de ce Grand Prix de Russie, dont on va découvrir les conditions de départ tout de suite. Dimanche, jour de course à Sochi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre la quatrième manche de cette saison 2017 de Formule 1 sur
la piste russe qui ce matin était sous les trompes d'eau. On vous avait annoncé qu'il y avait de la pluie de prévu sur le temps de midi. Elle a été un peu plus rapidement balayée que prévu avec le soleil qui a fait son apparition pendant la pause déjeuner, laissant ainsi la piste entièrement séchée. Mais tous les risques de pluie ne sont pas écartés. Vous découvrez cette piste donc de Sochi avec ses deux zones de DRS et ses 18 virages. Vous constaterez également que le record est actuellement d'1 minute 40,071 et il est détenu par Sébastien Vettel. On va se tourner tout de suite vers la grille de départ d'où devraient nous parvenir les premières images. On va la découvrir ensemble d'ailleurs, cette grille, puisque vous n'en savez pas grand chose après la sortie de Stoffel Vandoorne. Vous constatez déjà que c'est bien une McLaren qui est en pôle, celle de Fernando Alonso. On va faire un point également sur les différents classements. Sébastien Vettel partira donc deuxième, on l'a vu. Il était en 1.39, hein, donc ça a tourné très rapidement. Et le poleman, c'est lui, Fernando Alonso, avec sa McLaren. Ici, Daniel Ricciardo, également une bonne qualification pour l'Australien. Les Red Bull qui se portent bien avant le retour en Europe. On découvre ensemble la grille de départ de cette quatrième manche de la saison avec... Okay, be wary of the cars ahead breaking suddenly into one. We could ruin our race if we hit them. Good luck. Voici donc la grille de départ de cette quatrième manche de la saison avec la pole position pour Fernando Alonso aux côtés de Sébastien Vettel. Bottas sera quant à lui troisième aux côtés de la deuxième Ferrari. De nouveau, Valtteri Bottas devant son équipier. Je vous le disais, la sixième place de Daniel Ricciardo, la très belle septième place de Jordan King. C'était très joli. La dixième également de Felipe Nasser. 16e place donc pour Stoffel Vandoorne. Vous le voyez, 17e place d'Esteban Ocon, le français. Et derrière, on retrouve les Williams qui continuent leur parcours du combattant avec Lance Stroll, 19e. Et Felipe Massa, 21e. Okay, Jeff, understood. I feel the car much, much better than yesterday. The steering looks pretty precise and it's good to see, and I feel confident with the car, so let's warm it up and see how it goes for the start. Et le premier message que l'on entend de Stoffel Vandoorne est assez rassurant, puisque le pilote belge explique que la voiture a ressenti dans le volant beaucoup plus précis que ce qu'il avait jusque-là depuis le début du week-end, et que ça le met en confiance et qu'il est prêt donc à, eh bien, sortir les armes et se battre pour tenter de remonter. On a entendu également en prémisse de la grille de départ Jeff, l'ingénieur de Stoffel Vandoorne, expliquer que, eh bien, ça allait un peu être la cohue dans le premier virage et qu'il faudra être très prudent, puisque si Stoffel Vandoorne est habitué à des départs depuis les premières lignes, partir 16e change complètement la physionomie d'un départ. Vous êtes entouré de voitures beaucoup plus lentes et moins performantes que vous, et les détails qui peuvent paraître aux spectateurs lambda sont ici nombreux à changer autour de vous. Voilà, la grille est donc en train de compléter le tour de formation, je vous le disais, alors que l'on n'a pas d'informations concernant la météo, même si ça reste fort nuageux. Le soleil est là et je pense que l'on va passer une grande partie de notre Grand Prix sous le soleil. Et d'ailleurs, on est bien du côté de notre cabine puisqu'on est face au box. On va donc pouvoir voir tout ce qui se passe dans la voie des stands qui rentrera. On vous énoncera évidemment tout cela en temps voulu. On notera quand même la contre-performance d'une des As, hein, Kevin Magnussen, 15e, vous le voyez juste devant Stoffel Vandoorne. Ça n'est pas terrible. La bonne forme des Manor, évoquée également lors des essais libres, se confirme. Et Jordan King, qui était 11e au général, va sans doute ici jouer le rôle de bouchon dans les premiers tours, puisque la Manor est certes rapide sur un tour, mais en rythme de course, on l'a vu au fur et à mesure des premières courses, elle venait à glisser un petit peu au classement pour rejoindre les alentours du top 10. Attention donc à la voiture de Jordan King. Pour le reste, une qualification assez classique avec donc Alonso en pôle aux côtés de Sébastien Vettel. Est-ce que le pilote allemand va pouvoir tirer profit de l'intérieur pour s'extraire plus rapidement et passer devant l'Espagnol avant le premier virage? On va voir ça d'ici quelques secondes, alors que vous le voyez, les différentes voitures viennent rejoindre leur emplacement. C'est déjà fait pour les 6 premières lignes de la grille. Les derniers pilotes viennent se placer juste en dessous de nous. On est là-bas en haut à gauche sur votre image dans nos cabines, prêts à vous faire vivre ce Grand Prix de Sochi. Les 5 feux qui s'allument.
Et le départ est donné avec un bon envol d'Alonso. Mauvais départ de Sébastien Vettel qui est resté un petit peu sur sa ligne. On voit Felipe Nasser qui plonge à l'intérieur et c'est Valtteri Bottas qui risque de surprendre tout le monde. Attention, ça joue des roues dans le milieu du peloton. On va se retrouver avec une manœuvre quatrième. Quel départ de Felipe Nasser qui se retrouve là coincé. Attention, les deux Mercedes ont failli se toucher. Et c'est propre, mais quel départ de la part de Felipe Nasser, le Brésilien est troisième au nez à la barbe de Lewis Hamilton. Incroyable départ. Et derrière, on retrouve la Ferrari qui est à la lutte avec l'autre Manor. Les deux Manor ont pris un excellent départ. Elles se retrouvent dans le top 10. On voit une Red Bull également en lutte avec les monoplaces de Maranello. Eh bien, premier départ très très chaud. On n'a pas de nouvelles pour l'instant de Stoffel Vandoorne, mais ici la lutte est belle avec peut-être Valtteri Bottas qui peut revenir sur Hamilton et Alonso qui ont pris un excellent envol. Vettel s'est complètement loupé sur le départ. Alors on savait que ça allait être difficile. Il est loin derrière, il est derrière Vandoorne, rendez-vous compte. Et on a déjà vu dans le fond de l'image une McLaren. Je crois qu'on est déjà quasiment dans le top 10 pour Stoffel Vandoorne. Il faudrait revoir le départ, peut-être déjà sans DRS. La différence faite par les voitures sœurs, évidemment. Valtteri Bottas va se retrouver devant Felipe Nasser. La résistance du Brésilien, attention à ne pas créer d'incident diplomatique non plus. Et Bottas qui s'empare de la troisième place, c'est fait. Mais il y a déjà quelques secondes qui se sont envolées entre lui et son équipier. Vous voyez le peloton évoluer avec donc Raikkonen suivi par Verstappen, Vettel. Et il est là, Vandoorne est derrière déjà. Quel départ du pilote belge. Alors que l'on voit Marcus Ericsson fermer la marche. Ici, on est avec la voiture de Carlos Sainz qui a pris également un départ moyen devant les Renault. Et le premier tour couvert avec Alonso en tête. Et retour avec la lutte et la voiture de Nasser qui ne va pas résister longtemps aux meilleures machines du plateau. Le contact entre Kimi Raikkonen et le Brésilien. Et on avait vu la voiture de Jordan King comme un éventuel bouchon lors des premiers tours, mais il n'en est rien, c'est celle de Felipe Nasser. Alors que l'attaque derrière de Vandoorne, on ne le voit pas à l'image. Si, Vandoorne qui revient très très fort sur la Red Bull. Quel départ du pilote belge, il va aller porter l'attaque. Et ça passe, oui. Verstappen est battu. Eh bien voilà, et regardez Alonso devant qui met le meilleur tour. Oh, Vandoorne qui est dans une forme olympique dans ce début de Grand Prix. Il fallait la faire, on l'a faite. Incroyable le départ du leader du championnat. Alors il y a encore fort à faire pour le Courtraisien. Mais un bon départ pour Vandoorne. On ne s'attendait pas à le voir si vite, si haut dans le classement. Il a quand même doublé les deux Red Bull et une Ferrari. L'attaque, trois lignes avec Nasser qui doit résister. Oh, attention, Vandoorne sur l'extérieur. C'est un jeu dangereux. Et tout ça pourrait profiter peut-être derrière à la voiture du Néerlandais. On retrouve quand même derrière Jordan King. C'est absolument incroyable de voir une équipe qui était morte cet hiver au quatrième Grand Prix de la saison à ce stade-là. Alors que Vandoorne va tenter de déboîter sur le freinage. Et l'avantage reste du côté de Felipe Nasser. Eh bien, des premiers tours assez compliqués. Pas de DRS encore pour ces garçons. Vandoorne au passage sous notre cabine qui attaque la Manor. On est avec Max Verstappen. Ce fut bref avec le Néerlandais. Donc en tête, on a donc Alonso. Suivent les deux Mercedes. Et ensuite, vous avez cette lutte si avec les Manor, les Ferrari et les Red Bull. Alors que derrière, on voit l'extérieur de Daniel Ricciardo. Oh, c'était assez tendu l'explication entre Ricciardo. Plus loin dans le peloton, on retrouve les Haas. Avec Kevin Magnussen à la lutte avec le régional de l'étape, Daniil Kvyat, dont les supporters étaient très nombreux à veiller hier dans les tribunes devant les paddocks. Le départ, ça y est, on revoit l'action depuis l'arceau de la voiture de Sergio Perez. Alors devant, on voit que ça s'est un peu loupé puisque c'est parti un petit peu en éventail à gauche et à droite. Oh là là, il n'y avait pas beaucoup de place avec le mur. On voit sur la gauche la Toro Rosso. Ouais, il fallait se frayer un chemin dans ce départ. On est à la 13e position et regardez, il y avait trois lignes tout simplement dans le premier droit. Et Perez s'en sort bien alors que devant, c'était un peu chaud avec la Haas. Ouais, voilà, on voit l'extérieur de Vandoorne. Ah, Vandoorne qui a été touché alors que là, c'est Verstappen qui attaque à son tour Felipe Nasser. On est avec l'équipier de Nasser, c'est Jordan King dans la voiture et on est aux alentours de la 9-10e place. Il y a des points pour cette Manor.
à la clé à l'issue du Grand Prix. En tout cas, pour le moment, elles tiennent bien la baraque, comme on dit, les deux petites monoplaces animées par le bloc Mercedes. Oh, il y a eu un blocage de roues au premier plan. Je me demande si Van Dorn n'est pas en train d'aller chercher la Ferrari. Voilà, Van Dorn qui a passé Raikkonen. C'est fait. Et on confirme également à Stoffel Van Dorn qu'il n'y aura pas de pluie avec Kimi Raikkonen qui revient grâce au DRS sur le pilote belge. Et derrière, ça bouge encore avec les Manor et Raikkonen qui récupère sa position. Et derrière, c'est passé pour Verstappen. Raikkonen sur l'extérieur. On va tenter de croiser avec Van Dorn qui part au large. C'est joli, c'est très joli la manœuvre de Raikkonen et c'est très intelligent de la part du Finlandais qui parvient à conserver l'avantage. On se bat pour un pied de podium entre ces deux-là. Et la lutte est plus qu'animée. Derrière, on retrouve les deux Manor désormais en sandwich entre les deux Red Bull. En retour devant avec Raikkonen qui subit une nouvelle charge de Van Dorn. Mais ça ne passera pas pour le pilote belge. L'avantage toujours au Finlandais et à Ferrari qui doit rectifier déjà le tir face à McLaren. Au classement constructeur, on sait que c'est Mercedes qui est désormais deuxième devant Ferrari alors que Hamilton avait subi au moins un abandon depuis le début de saison. L'attaque, Van Dorn est passé à l'aspiration. Oh, et on retrouve les deux Manor. Oh, qui vont se toucher. C'est pas possible avec la Red Bull, cette fois-ci de Daniel Ricciardo qui efface Nasser qui a donc laissé passer son équipier et la Red Bull. Et bien là, l'explication était assez chaude. Ah, on voit des stigmates, l'aileron avant de la voiture de Jordan King qui semble touché. Alors que Lewis Hamilton s'empare du tour le plus rapide, alors qu'il est en tête devant Fernando Alonso. Il vient de passer le pilote britannique au commandement de ce Grand Prix. Et le retour à l'aspiration peut-être de Raikkonen. On est avec Sébastien Vettel ici en caméra embarquée. Lui est un peu plus loin dans le peloton. Il est à la lutte avec Kevin Magnussen sur l'as. Alors que derrière on voit Julian Palmer tenter de revenir sur Sergio Perez. Ouais, départ difficile pour Sébastien Vettel dans ce quatrième Grand Prix. Allez, on est avec Carlos Sainz Jr. L'Espagnol en lutte donc avec Palmer. Derrière on voit une Sauber. C'est Marcus Ericsson qui suit de très très près la voiture de Carlos Sainz Jr. qui perd un petit peu la corde. Oh, il se touche. Et le mur. Très grosse sortie de Carlos Sainz qui est allé se faire percuter par, je crois, Marcus Ericsson. On revoit ce qui s'est passé. Oh, et il n'a rien compris, Marcus Ericsson. Il ne pouvait rien faire. Et on a tenté de fermer la porte pour Sainz, mais c'était trop tard. Oh, l'énorme choc pour le pilote espagnol qui est sorti de sa voiture. Va-t-on avoir droit à la voiture de sécurité? La direction de course ne bronche pas, mais la safety car, je la vois depuis, la cabine est en train d'allumer ses feux. Elle est en stand-by pour éventuellement être déployée. On voit sur nos images mettre pied à terre Carlos Sainz. Il est indemne, mais quelle sortie du pilote espagnol à Toro Rosso. Il manque un demi-train là complètement. Et c'est là qu'on voit que la sécurité a encore bien évolué grâce au Tech Pro. Parce que le mur n'était pas si loin. La lutte en tête, on ne l'avait pas encore vu à l'image, avec le leader Lewis Hamilton qui va subir le DRS de Fernando Alonso, peut-être pour un retour en tête de l'Espagnol. Ça déboîte au bout de la ligne droite des stands. Et le freinage à l'intérieur pour Alonso qui reprend la tête du Grand Prix. Belle lutte également entre ces deux-là. Et oui, il y a Alonso qui doit jouer très très gros s'il veut prendre un certain avantage avant de revenir en Europe sur Van Dorn. Pour l'instant, il y avait eu victoire d'Alonso et de Van Dorn, une partout. C'était du côté de Bahreïn et de Shanghai. Pour celle-ci, ça semble pour l'instant l'avantage de l'Hispanique. On revient derrière avec la seule Toro Rosso désormais encore en course, celle de Daniil Kvyat qui, je crois, se bat avec Felipe Massa. Difficile de distinguer le casque depuis l'hélicoptère qui suit tout cela. Mais effectivement, je crois que c'est Felipe Massa si je regarde sur mes écrans. Évidemment, Lance Stroll était au premier plan, le pilote canadien. On est un peu plus loin avec les deux Sauber. Décidément, les Sauber ne font pas grand-chose et en plus, elles sont dangereuses. Vous constatez peut-être, si vous avez l'œil fin, l'état de l'aileron avant de Stoffel Van Dorn qui est endommagé depuis le début du Grand Prix. Après des déboires dans le deuxième virage, vous l'avez vu avec le replay de la voiture de Sergio Perez tout à l'heure. Ah, c'est au tour de Vettel de s'attaquer à l'usine Manor. Ne pas dire l'entité. Oh là là, je me demande s'il n'y a pas eu une perte d'aileron là, sur ce coup-là.
Ah, ce fut très très succinct, mais au moment de voir la Manor repasser devant, je crois que Vettel a eu un léger contact avec la monoplace turquoise. En tout cas, elle reste devant, ça rentre devant pour quelqu'un, je crois que c'est une des Manor qui rentre, c'était sans doute Jordan King. Nouveau tour complété par Van Doorn au pied du podium. Raikkonen revient très très fort. Est-ce que le Finlandais peut porter une attaque? Oui. Et il peut la compléter. Et change de position de nouveau. Oh, Van Doorn qui croise au prix d'un magnifique virage. Oh, et qui reprend la tête à l'extérieur face à Raikkonen. Et bien ces deux-là continuent de se battre. Et c'est très joli à suivre. Très agréable l'explication entre les deux pilotes. Et de nouveau, c'est avec l'aide du DRS que la McLaren reprend l'avantage. Et dans le fond de l'image, vous avez les deux Red Bull qui, si ces deux-là continuent à se battre, eh bien, ne vont pas se priver pour revenir et tenter à leur tour de glaner quelques points pour la structure autrichienne. Alors, vous évoquiez la météo tout à l'heure. Pas d'alerte pour l'instant de notre côté. Ça reste tout à fait sobre. On a le soleil et on n'a aucune menace annoncée. La menace, par contre, pour Van Doorn, c'est de voir Raikkonen revenir sur la McLaren. On embarque avec le pilote belge qui, si les choses continuent, va perdre la tête du championnat. Attention à la vitesse de pointe de la Ferrari. Assez dommage. Je pense pas que Raikkonen pouvait changer de trajectoire au dernier moment. Et alors qu'Alonso est toujours en tête devant Hamilton, la direction de course nous informe de ceci. Légère pluie attendue dans les 20 prochaines minutes. Et ça peut changer toute une stratégie de course. La preuve avec l'arrêt au stand de Lewis Hamilton qui va peut-être tenter un undercut sur Fernando Alonso. Ils étaient très très proches. Voilà l'arrêt du champion du monde en titre qui chausse des pneus soft à bande jaune. C'est le premier des hommes de tête à observer un arrêt. Il est pour l'instant derrière les deux Red Bull de Verstappen et Ricciardo, alors que vous le voyez, le reste du peloton continue de sortir. Et Hamilton va se retrouver, je crois, devant Julian Palmer et derrière. Oh, attention avec Sergio Perez, il doit le laisser passer normalement Hamilton. Oh, c'est chaud. Ouais, Palmer va en profiter pour garder cette 12e place côte à côte. Hamilton avec des pneus froids et moins performants. Aïe, 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 ça se touche et il y a un morceau de l'aileron qui a volé du côté d'Hamilton. Il a pas choisi la bonne solution, Lewis. Ah, il aurait dû être un peu plus patient. Et il y avait deux voitures sur son chemin et ça n'a pas manqué. Il y a eu contact et Hamilton qui a cassé son museau. Ça peut être décisif dans la lutte pour la tête de course. Avec Raikkonen. Oh, Raikkonen just hit me. Can you check the rear left? Check the rear left. Et le contact avec Raikkonen et tout de suite Van Doorn qui demande la vérification de l'état de sa voiture. Oi, 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 que ça a été chaud avec Kimi Raikkonen. Allez, on retrouve la lutte hein, qui a lieu depuis quelques tours maintenant. Et le retour, vous le voyez, je vous le disais, de la Red Bull derrière. Alors tout le monde là autour est en super soft. Ça continue pour Bottas et Lewis Hamilton et Alonso aussi. On ne rentre pas dans ce tour-ci, en tout cas pas pour les hommes de tête. Ça ne semble pas être au programme. Okay, I feel great about the rear left. The car looks normal for the moment, but Key, could you give me an update on the tire wear for now? Okay, I'm not seeing any issues with tire wear right now. You should have good grip for a while yet. Tire deck is good. Tire deck is good. Alors que l'update complète de la voiture de Van Doorn est demandée à la radio, on voit Hamilton ici finalement derrière Sergio Perez, alors que devant c'est Romain Grosjean pardon qui se bat avec la voiture de Felipe Nasser. Et donc Van Doorn qui demandait un petit topo à la radio sur notamment la possible crevaison à l'arrière gauche. Mais on a confirmé du côté des ingénieurs que le contact avec Raikkonen n'aura rien donné de mal. Alors, vous avez vu avec quelle facilité Hamilton s'est débarrassé de Perez avec ses pneus neufs. Il va devoir maintenant s'attaquer au pilote français de la Haas, Romain Grosjean. Il fait une course solide également pour le moment pour la structure de Jean Haas. Ski au passage aux États-Unis est passé avec succès à Ford. Oh, le contact de nouveau! Le contact de nouveau entre Raikkonen et Van Doorn. Ça ne va pas arranger les choses entre ces deux-là, alors que devant, il y en a un qui ne se pose pas du tout de questions. C'est bien Fernando Alonso qui continue de dérouler. Ok, donc je peux utiliser le Ridge Mix pour fight contre Raikkonen. Good to know. Alors que ça part quasiment en pugilat entre Raikkonen et Van Doorn, ça bloque les roues, ils se sont encore touchés.
C'est la quatrième fois qu'il se touche alors que vous avez en quart image l'arrêt du leader. Alors qu'on informe également Van Dorn de l'arrêt d'Alonso. Ces deux-là ne se lâchent pas, attention, parce qu'ils vont se retrouver en lutte pour la tête maintenant. When will my pit window open? Which lap? Which lap? The pit window is open. Et on confirme la fenêtre du pilote belge alors que ça sort pour Alonso. Avec les pneus frais, il sera derrière ces trois-là. Voilà. Il sera derrière Verstappen, mais Raikkonen et Van Dorn s'abardent là, entre les deux. J'espère qu'ils ne vont pas être mis sous investigation pour l'une ou l'autre manœuvre. Ça recommence avec un peu de sous-virage du haut d'éventage. C'était attendu. Et regardez qui montre le bout de son nez. Max Verstappen, bien sûr, qui ne va pas se priver pour revenir sur ces deux-là. On voit dans le fond de l'image Alonso qui est ressorti tout de même devant l'autre Red Bull. C'est une bonne pioche pour Alonso, ça, face à notamment Hamilton, qui a perdu beaucoup de temps avec son contact aux côtés de la manœuvre et de la voiture de Kevin Magnussen. On retourne sur ce qui se passe à l'écran avec Verstappen, qui suit donc Van Dorn et Raikkonen. Bon, je pense qu'on est un aileron partout hein, du côté de Raikkonen et Van Dorn, et un ponton également. Est-ce que vous avez à l'image, je n'ai pas précisé, mais ce sont bien les trois hommes de tête à l'heure actuelle dans ce Grand Prix de Russie. Retour en caméra embarquée avec Van Dorn. I just missed my break on sector 3. Please, Jeff, looking for not talking to me in the middle of a corner. Please, Jeff, be aware. Alors que ça s'arrête pour Valtteri Bottas, on entendait Stoffel Van Dorn expliquer à la radio, et c'est pas la première fois cette saison que... Eh bien, il est parfois perturbé par Jeff, son ingénieur, qui lui parle en plein virage. Alors que on ne l'a pas précisé non plus, mais c'est également pneu soft que Alonso était ressorti des box tout à l'heure. L'arrêt de Valtteri Bottas. Allez, on monte un train de pneus soft et ça repasse pour l'arrêt de Bull. Ah, mauvais arrêt peut-être du côté de chez... McLaren. Et on voit Vettel qui ressort également derrière. Heureusement que Raikkonen n'est pas rentré avec Stoffel. Ça aurait fait des dégâts. Et il se retrouve en piste derrière la voiture de Sergio Perez. Et ils sont devant Daniel Ricciardo. 10 minutes désormais pour la pluie. Et l'attaque de Van Dorn à peine sorti des box. Et il passe. Oh, eh bien, il y avait confiance de Van Dorn envers ses pneumatiques pour attaquer directement la Red Bull. Et c'est passé. Retour à bord avec, vous le voyez, les pneus frais pour la McLaren qui va devoir s'attaquer à Esteban Ocon sur la Force India et non pas Sergio Perez. I see a massive amount of clouds on the sky. Do we need to be careful about the rain in the next minute? Et du côté de chez McLaren, Van Dorn constate les nuages qui s'amoncellent. Vous le voyez également dans le ciel. Moins de soleil qu'au moment de l'extinction des feux. Ici, Julian Palmer qui va sans doute se faire dépasser par la Williams de Lance Stroll. Et le Canadien qui est passé. Alors que Palmer est toujours avec des pneus super soft. Et l'arrêt de Raikkonen, alors là, ça va être intéressant. On va voir si on ne procède pas à un changement d'aileron pour Raikkonen. Ça a été très rapide, très bel arrêt de la part des mécaniciens de la Scuderia. On voit passer Bottas sur la partie externe de la piste. Et voilà, l'arrivée de Van Dorn. On va voir si Raikkonen aura réussi ou pas son pari. Et Raikkonen est devant. Raikkonen, au prix d'un super arrêt, se retrouve donc devant Van Dorn. Bien joué de la part des mécaniciens de la Scuderia Ferrari. Esteban Ocon ici en lutte pour la 7ème place avec les deux pilotes Red Bull. Mais le français n'a pas encore observé son arrêt pour chausser des pneus super soft. Il était parti lui en pneus soft. C'était un des rares à avoir fait ce choix, pardon, à l'issue de la Q2. Et ça bloque les roues. On l'a vu pour la première des deux Red Bull. Risque de passer rapidement. Et voilà les pneus usés d'Ocon, le français avec qui nous sommes désormais en caméra embarquée. Et donc on avait une alerte de 10 minutes pour les premières gouttes de pluie. Va-t-on devoir chausser les pneus intermédiaires avant la fin de ce Grand Prix? Rien n'est moins sûr.
En tout cas, au niveau du temps de course, on a encore pas mal de tours à effectuer. Et oui, semble-t-il, on va devoir subir la pluie. En tout cas, regardez, il fait gris hein, dehors. On est bien content d'être avec notre petit chauffage dans notre cabine pour vous faire vivre ce Grand Prix. Parce que là dehors, il ne doit pas faire bon vivre dans le muret des box pour certaines équipes. Et le vent qui est très présent ici à Sochi. C'était un détail qu'évoquaient les pilotes selon l'orientation du vent lors de la qualification. Ça pouvait vous favoriser ou non par rapport à la grande ligne droite et au DRS. Ok Jeff, I keep killing these tires before the rain. Eh bien du côté de Van Dorn, la mission est simple, tuer les pneus et tuer Raikkonen peut-être au freinage. Oh, ça ne peut pas passer. C'est dommage, on avait de belles luttes à l'image, pourquoi ne pas nous la montrer? On est sur une autre lutte, ouais, et ça passe pour la voiture de Felipe Nasser sur Romain Grosjean. Dans le premier droit, c'est fait. Et Grosjean qui doit céder la 11e place. Alors, le message de Van Dorn était simple à son ingénieur. Doit-on, eh bien, passer en intermédiaire avant la fin de la course? La réponse est sans doute oui. Donc pour cela, on va tuer les pneus soft. C'est ça qu'a dit Van Dorn à la radio. Et la preuve, par la conduite, il est actuellement en 1.40.343, détrônant Lewis Hamilton du meilleur tour en course dans ce Grand Prix de Russie. Voilà, on est au 13e des 27 tours. Jeff, I have some raindrops on my visor. I confirm the change for Inters on the next stop. Inters for the next stop. Confirming that we'll be fitting the intermediate tires. Et les pneus intermédiaires pour le prochain arrêt. Alors qu'ici, on a l'attaque d'une Ferrari qui passe. Esteban Ocon qui glisse encore au 9e rang. Alors ce sera intéressant de voir avec les premières gouttes de pluie qui tombent du côté de la visière de Van Dorn. C'est ce qu'il a confirmé à son ingénieur. Il commence à y avoir des gouttes d'eau sur les différentes voitures, ça a rapporté par plusieurs pilotes à la radio, donc on va voir ce que ça va donner. Ici on a vu donc Vettel passer la voiture d'Esteban Ocon. Va-t-on assister à un coup de poker de la part de la Force India? Si la pluie arrive vite, il pourrait ne faire qu'un seul arrêt. 16 secondes qui séparent Fernando Alonso de Stoffel Van Dorn. Les leaders sont loin devant, 15 secondes alors que ça passe pour Raikkonen. À l'intérieur, Van Dorn qui va résister sur la partie gauche. Ils sont côte à côte de nouveau. Oh là là, ça commence à faire une belle explication entre ces deux-là. Sympa à suivre avec les deux Red Bull qui viennent se mêler à la bagarre. Et bien voilà, on retourne à la situation d'il y a de cela 10 tours avant que tout le monde opte pour un arrêt et nous revienne dans la course. Pour l'instant, c'est un pied de podium qui attend ces trois-là. Mais on l'a vu par le passé, hein, Van Dorn qui est très à l'aise quand on est en conditions changeantes. Et eh bien un bon arrêt pourrait lui permettre de revenir sur ses petits camarades. Attention, il y a toujours également risque de la sortie d'une voiture de sécurité. On n'est pas à l'abri, surtout dans ces conditions avec des murs pas si loin que ça comparé à ce qu'on peut avoir sur d'autres circuits. On rappelle, hein, on va avoir beaucoup de bacs à gravier dans 15 jours. Pour le prochain Grand Prix, ce sera le retour en Europe avec le Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Barcelone. Et ensuite, eh bien, ce sera Monaco. Au niveau des écarts, Van Dorn a 8 secondes de Bottas. On a ici Daniel Ricciardo qui suit calmement son équipier et Kimi Raikkonen. Et selon des pneus un peu plus frais que Van Dorn, de 2 tours pour certains, ça va jouer également à la fin du relais. Et on retrouve Ricciardo en caméra embarquée. Alors que le DRS va sans doute aider Raikkonen à revenir sur Van Dorn. Ça déboîte pour le Finlandais de nouveau. Même manœuvre que tout à l'heure. Oh, et c'est chaud parce que là, Verstappen a tenté de passer Van Dorn. Raikkonen est un peu au large, Verstappen aussi. Et ça bloque les roues pour Van Dorn, c'est chaud. Oh là 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 là, et on sent que là, il y a un morceau d'aileron qui ne va pas tenir longtemps s'il continue à s'expliquer comme ça, ces deux-là. En tout cas, Raikkonen
est désormais passé. On retourne avec le leader, Fernando Alonso. Va-t-on assister à un arrêt pour monter des pneus intermédiaires? Pour le moment, ça ne semble pas nécessaire. La pluie n'est pas trop présente. Ce ne sont que quelques gouttes, pas de quoi s'alarmer. Nouveau tour couvert avec, on va dire, le club des 5. Hein. On va les appeler comme ça, les pilotes Red Bull, Ferrari et Van Dorn. Alors, est-ce que Van Dorn peut justement... Eh non, il ne peut pas revenir, au contraire. C'est Verstappen qui devient une menace pour le Belge. Attention. Donc, vous le voyez, on est en mélange riche pour Van Dorn. On essaie d'attaquer un maximum tant qu'il fait sec. Tout comme Romain Grosjean, ici à la lutte avec Felipe Nasser, juste devant l'une des Force India. Elle est en super soft, ce doit donc être Esteban Ocon qui s'est arrêté. Le Français qui était parti en pneu soft. I already see raindrops in the car since two laps, Jeff. Alors qu'on informe Van Dorn de la pluie qui arrive. Van Dorn, lui, j'ai déjà de la pluie sur ma visière depuis deux tours, Jeff. Ça, le message est clair. On est avec Perez. Il est en super soft, tout comme Esteban Ocon. Et Raikkonen qui s'est protégé à plus d'une seconde de la McLaren. Oh, attention, ça commence à légèrement dériver dans certains virages mi-vitesse. La pluie qui commence à devenir, non pas un problème, mais un facteur à tenir à l'œil. Ah, il y en a une légère pluie reportée par les officiers dans le secteur 1. Alors que nous, sur notre cabine, je regarde un petit peu, pas de gouttes encore. Bon, on est assez protégé par le toit de la tribune, mais pas d'eau en tout cas à mes yeux. Il doit pleuvoir un peu plus par ici. Eh oui, on voit quelques gouttes de pluie qui commencent à ruisseler de ci, de là sur les cockpits. Une fois de plus, je le rappelle, pas de quoi alarmer les pilotes pour le moment. C'est tout à fait pilotable dans ces conditions, à moins que la pluie vienne vraiment tomber d'un coup. Il n'y aura pas grand chose avec Felipe Nasser et Samanor, toujours devant Sergio Perez et derrière Romain Grosjean. Et la Manor qui est capable d'aller mettre des points. Il est 12e et son équipier Jordan King est 10e. Franchement, bravo à l'équipe Manor. Allez, ça continue avec Van Dorn. La bataille ici pour la 7e place qui oppose Sébastien Vettel à Daniel Ricciardo. L'Australien qui doit résister à son ancien équipier. Mais il ne peut rien faire face à la Ferrari à l'intérieur. Quoique, il peut encore se défendre de sa position sur la piste. Ouais, ils sont côte à côte et ça résiste pour Ricciardo. Ce n'est pas gagné, mais bien joué Daniel. Toujours aussi souriant, quelles que soient les conditions, que le week-end soit bon ou mauvais. Même s'il a de quoi sourire au vu de son classement actuel au championnat. On a plus une soupe à la grimace du côté de Verstappen qui avait démarré sa saison par une casse moteur à Melbourne. Ça va beaucoup mieux pour le Néerlandais. Retour dans la ligne droite des stands avec désormais la possibilité pour Vettel de jouir du DRS à l'extérieur. Oh, c'est une jolie manœuvre là. Et c'est passé de manière assez incisive pour le champion du monde allemand. Et bien voilà. Van Dorn, quant à lui, est toujours en proie à des soucis d'adhérence. Il doit résister à Max Verstappen de plus en plus proche et constater l'éloignement de Kimi Raikkonen au fil des tours, alors qu'il reste moins de 10 boucles à parcourir. L'écart avec la voiture de devant, 1 seconde 5, rapporte-t-on à Stoffel Van Dorn, alors qu'ici on est dans une lutte de bas de tableau entre Pascal Wehrlein qui vient de prendre l'avantage sur Marcus Ericsson. Désormais, c'est dans le troisième secteur que de la pluie est rapportée. Et il pleuvrait donc dans le premier et troisième secteur. Alors que ouais, de notre côté, on commence à voir un petit peu... Ouais, on voit des gouttes tomber, hein, voilà. Alors que Van Dorn passe devant nous. Avec derrière lui Verstappen à la chasse. Ça y est, là on voit des grosses gouttes. Ça y est, ça commence à tomber du côté
de la pit lane. Ça court dans tous les sens. On voit pas mal de personnes qui quittent le muret pour aller dans le box. Alors que devant, ça attaque avec une tentative à l'extérieur pour Verstappen. C'est pas passé. Van Dorn est obligé d'aller dans l'AstroTurf. Fait beaucoup de temps de perdu pour le Néerlandais. Alonso toujours en tête. Alors qu'il pleut, vous le voyez désormais bien sur l'image. Et ça continue pour le taureau des Asturies. Alonso qui mène sa barque, il n'y a pas d'autre mot dans les conditions actuelles. Et ce sera un tour supplémentaire en pneus slick. On ne sort chez personne pour le moment le matériel. On garde évidemment à l'œil ici. Lewis Hamilton qui rentre. Va-t-on chausser ? Oh, et on chausse des pneus super soft. Attention ! Et gros coup de poker du côté de chez Mercedes. On tente un gros coup du côté de chez Mercedes, il ne va pas pleuvoir, donc pour Hamilton, c'est un gros coup de poker tenté. On va voir si ça paye dans les prochaines minutes. Regardez, on est à bord maintenant de la Red Bull, et il y a de l'eau, regardez qui stagne sur les pontons de cette voiture. Je ne pense pas que du côté de chez Mercedes, on ait eu l'intérêt à monter les pneus super soft maintenant, alors que tout le monde se pose la question de savoir s'il faut chausser les pneus à bande verte pour le moment, c'est-à-dire les intermédiaires. On n'a pas vu de figure pour l'instant devant nous. Allez, Van Dorn qui reste désormais devant Vettel et les Red Bull. Alors qu'à la radio, on ne parle pas encore de pneus intermédiaires pour le moment. À cette boucle environ de l'arrivée. Alonso continue. Pas d'arrêt pour l'Espagnol. Bottas, deuxième de ce Grand Prix. Va-t-il bifurquer sur la droite ? Et non, on continue également en pneu sec. Pour les deux hommes de tête. Raikkonen qui continue à être l'un des plus rapides en ce moment sur le circuit. Reste également chaussé en pneu slick. Et tout le monde derrière également. Donc voilà, donc il n'y a vraiment juste pas assez d'eau pour faire fonctionner les pneus intermédiaires qui risqueraient, s'ils sont montés maintenant, d'être tout simplement trop chauds et se dégrader. Missing at least 20 minutes of light rain. 20 minutes de pluie faible annoncée à Stoffel Vandoorne à la radio. Ça continue comme ça, il va vraiment falloir passer les intermédiaires à tête à queue immense. Devant nous, dans la ligne droite, il y a une Sauber qui s'est mise en tête à queue. Et je me demande s'il n'a pas été aidé par son équipier, Marcus Ericsson. Et ça peut repartir pour la Sauber, vous ne le voyez pas. Mais Marcus Ericsson qui est allé se mettre tout seul en tête à queue. Oh, et là, c'est un contact avec l'une des Manor et une Haas. Je crois que c'est Romain Grosjean, oui, qui est allé toucher l'arrière de la Manor de, je pense, Felipe Nasser ou Jordan King. Ce doit être, je crois, Jordan King, 9e. Et devant, ça continue de plus belle avec le retour de Vettel. La première Ferrari est passée il y a de cela quelques tours. La deuxième va-t-elle également trouver son chemin, alors qu'on a le retour d'Hamilton derrière avec des pneus super soft tout neufs. Ils sont toujours à 5 à se battre. Vettel à l'extérieur peut-être sur Van Dorn au freinage. Oh, Van Dorn qui bloque complètement ses pneus à l'intérieur. Il va aller trop loin évidemment. Et Vettel va passer. Oh, c'est chaud. Est-ce que Vettel a la place pour rester à l'extérieur sur Van Dorn? On est à bord de la voiture du pilote allemand. Et Van Dorn qui résiste. Mais le freinage était plus que limite entre ces deux-là. Preuve que ça glisse beaucoup. Van Dorn avec les deux roues bloquées. Ça rentre. Ça rentre pour Van Dorn. Alors va-t-on voir la McLaren du leader du championnat se voir munir de nouvelles gommes, cette fois-ci des intermédiaires? La réponse dans quelques secondes. Oui, je crois apercevoir là-bas du vert ouais, au niveau des mécaniciens. Je me rassois pour contrôler sur l'écran. Voilà, effectivement, première voiture à chausser les intermédiaires, c'est celle de Stoffel Vandoorne. Alors il va être intéressant de suivre le chrono du pilote belge. Okay, I go to the end with these tires. Go to the end with the inters. Et on confirme chez McLaren à la radio qu'on va aller au bout avec ces gommes-là. Attention à la ligne blanche qu'il a mordu mais pas dépassé. Et Lewis Hamilton qui a donc fait la jonction avec ses pneus super soft, mais il va devoir faire un nouvel arrêt. Donc il a perdu beaucoup plus qu'il n'a gagné en chaussant ses pneus super soft, le Britannique.
Et on confirme également à Stoffel Vandoorne qu'il peut utiliser du carburant. Ça glisse beaucoup, Vandoorne. Hey, je ne sais pas si pour l'instant les pneus intermédiaires sont la meilleure solution. Ici, Fernando Alonso se mettait également à rentrer pour chausser des pneus intermédiaires. On va suivre ça. Ici, c'est Hamilton qui se débarrasse d'une des Red Bull. Celle, je crois, de Max Verstappen. Difficile de distinguer les casques. Des deux pilotes Red Bull. Oui, puisque Ricciardo vient à son tour de céder également une position. Et là, ça y est, les halbardes qui arrivent, la pluie qui fait son apparition vraiment. Et là, il faut des intermédiaires, à mon avis. Au vu du confort de conduite de Vandoorne, ça a l'air d'aller. On est quand même très souple hein, pour le moment. Mais ça tient, ça a l'air de tenir. Et ça ne rentre pas pour les hommes de tête. Hein. On continue. C'est peut-être mauvaise pioche, peut-être un tour trop tôt ou deux pour Vandoorne. Les informations McLaren concernant la météo n'étaient peut-être pas les bonnes. Et Hamilton qui continue après s'être débarrassé d'une des Red Bull, la deuxième. Mais cette fois-ci, ça va être plus compliqué. Et Vettel qui va perdre quasiment deux positions. Ricciardo qui a déboîté au moment où Hamilton attaquait. Voilà, Vettel se voit désormais dépossédé de son pied de podium. Et ouais, oulala, Vettel qui est très très lent et il pleut, ça y est. Là, on voit que le rythme a bien baissé pour les pilotes qui ne sont pas en intermédiaire. Et la direction de course qui agit en conséquence en retirant l'accès au DRS pour tout le monde. C'est officiel désormais, la piste est humide. On a donc Ricciardo, Hamilton, Vettel, Verstappen, Vandoorne et une Manor. Oh, attention ici, l'attaque d'une A, c'est celle de Kevin Magnussen sur Julian Palmer. C'est chaud les changements de ligne là, avec les gommes sèches d'autant plus dans ces conditions. Et ça passe pour le Danois. On se bat ici pour la 16e position. The track conditions are not really good for the inters. We need more rain and more water on the track. So for the moment, it's really difficult for me. Am I still racing against Fernando for the moment? Fernando has just pitted. Okay, copy. L'arrêt au box du leader de la course, Fernando Alonso, qui va monter à son tour. Voilà, je pense, des pneus intermédiaires. Et Vandoorne qui demandait s'il était toujours en lutte avec Alonso. La réponse bientôt, la sortie des box pour l'Espagnol. Je pense pas que Vandoorne soit si proche que ça. Hein. Nous, il avait son message radio il y a quelques secondes. Arrêt également pour Bottas. Les intermédiaires pour tous les hommes de tête, quasiment. Raikkonen. Chausse les gommes à bande verte également. On est prêt pour accueillir, je crois, Lewis Hamilton. Et on devrait avoir de la pluie plus forte dans les prochaines minutes. On ressort pour Hamilton et pour Ricciardo avec des intermédiaires. On est prêt également chez McLaren. On est de nouveau prêt chez McLaren. Pourquoi ? Non, on rentre le matériel. J'ai eu peur. Et c'est passé pour Stoffel Vandoorne. Alors, on va faire un point sur le classement à l'issue des arrêts au box avec ici Raikkonen en lutte avec Verstappen. Verstappen qui n'a pas pu encore observer un arrêt. Il va perdre beaucoup de temps, le Néerlandais. Regardez la différence hein, de conditions de pilotage entre les deux. On n'a pas évoqué beaucoup les Williams dans ce Grand Prix, mais elles sont en grosse difficulté en fin de peloton pour Lance Stroll et Felipe Massa. Et ils viennent seulement d'arriver jusqu'au box pour changer de pneus maintenant. Vous ne le voyez pas, mais c'est très très chaud. Oh, Vandoorne aussi sur l'astroteur, ça glisse beaucoup malgré les pneus intermédiaires qui sont chauds hein, maintenant. Et il est cinquième derrière Max Verstappen. Donc on aurait potentiellement un podium jouable pour le pilote belge. À voir comment les quatre dernières boucles vont se jouer. C'est exactement ce qu'il reste d'ailleurs dans le réservoir de la McLaren. Pour l'instant, en tête, on a donc Vandoorne, Bottas et Kimi Raikkonen. Les trois voitures sont actuellement chaussées en pneus intermédiaires. Vous avez le Finlandais à l'image. Ensuite, on a donc, semble-t-il, voilà, Verstappen en pneu slick qui va chausser des intermédiaires, laissant passer Vandoorne et Ricciardo. Voilà pour le Néerlandais. À mauvaise pioche, là. Côté de chez Red Bull, on a mal géré l'arrivée de la pluie. On voit dans le fond également Hamilton qui revient avec un arrêt supplémentaire. Ça lui aura coûté cher, hein, quasiment la victoire, alors qu'il était en lutte en début d'épreuve avec Alonso. Ça s'est bien passé pour l'instant. Et allez, on change le museau.
Et on doit changer le museau pour la voiture de Verstappen. Beaucoup de temps perdu. On a remis des tours d'aileron sur quelques voitures, mais pour Verstappen, ça a été carrément un changement de capot. Et on annonce des soucis sur différentes voitures. Pour le moment, je crois que c'est une Williams qu'on a annoncée au ralenti. Justement, en parlant des Williams, en voici une à l'image, à la bagarre avec Kevin Magnussen ou Romain Grosjean. C'est Romain Grosjean qui se bat avec Lance Stroll, alors que vous le voyez, une forte pluie est attendue dans les 15 minutes. Et Stroll qui résiste à la Haas. Le jeune pilote canadien continue tant bien que mal sa saison. On espère que l'Europe sera terre de succès pour Williams, qui le mérite après un hiver très difficile et la perte inattendue de Valtteri Bottas, remplaçant Nico Rosberg fraîchement retraité. Quasiment 10 secondes d'écart entre Raikkonen sur le podium et Stoffel Vandoorne, quatrième. Je pense que les espoirs de monter sur l'une de ces trois premières marches vient de disparaître de l'esprit du leader du championnat, qui ne le sera plus si cela reste comme ça. L'avantage reviendra à Fernando Alonso avant le retour en Espagne si l'Espagnol s'impose. I definitely feel it. On rapporte une baisse de rendement moteur du côté de Vandoorne, qui confirme à la radio qu'il le sent, son moteur est un petit peu moins vivace qu'en début d'épreuve. Ici, le trio infernal avec Hamilton qui se porte à la hauteur de Ricciardo pour une attaque éventuelle. Oui, ça peut passer. C'est juste derrière Vandoorne que ça se passe. Non, ça résiste bien. Belle relance. Oh, il se touche à Ricciardo qui a ralenti et qui est allé toucher Lewis Hamilton, laissant passer Vettel qui s'empare de la cinquième place. Ah, c'est un problème qu'on a déjà vu tout à l'heure avec l'une des Manor et des Haas. Et bien voilà, ils se sont entremêlés. Retour sur la lutte entre Stroll et Grosjean. Ils évoluent toujours derrière la Manor qui tient bon, et les Manor qui vont sans doute encore marquer des points aujourd'hui, leur permettant de rester devant Williams, notamment Renault et... Oh, et c'est un moteur! Casse moteur pour Lance Stroll! C'est terminé, le bloc Mercedes de la Williams qui vient de rendre l'âme. Attention, on va peut-être avoir droit à une voiture de sécurité. Oh, et Vandoorne qui sort de la piste. Attention, il se passe beaucoup de choses dans ces derniers tours, abandon de Lance Stroll, il sort de la voiture. Ah, quel dommage! Mais il n'y avait pas grand-chose à sauver pour Williams lors de ce week-end russe. C'est dommage, il aurait pu aller au bout. Alors que Vandoorne doit résister à Vettel désormais dans ce dernier tour de course. Dernier tour du Grand Prix de Sochi qui va plus que probablement être remporté par cet homme, Fernando Alonso, que l'on va suivre désormais. Il vient de passer la zone de drapeau jaune. Il était juste derrière l'une des voitures qui aura pas mal souffert également aujourd'hui, la Renault, celle de Julian Palmer en l'occurrence. Voilà, troisième et dernier secteur pour Alonso. La Renault devrait peut-être se laisser glisser alors qu'elle est désormais entourée de drapeaux bleus. Et la pluie qui a brièvement cessé, en tout cas son intensité a baissé, drapeau bleu, voilà, ça s'écarte pour Julian Palmer qui évitera de faire un tour supplémentaire. Le dernier virage pour Fernando Alonso et l'Espagnol qui va s'emparer de la victoire et de la tête du championnat, c'est fait. Victoire de Fernando Alonso à Sochi, c'est terminé, voilà, il lève le point.
l'Asturia. Et on va voir derrière qui peut compléter le podium. C'est fait. Deuxième place pour Valtteri Bottas qui va de nouveau surpasser Lewis Hamilton. On retrouve troisième Kimi Raikkonen qui voilà déboule à l'instant devant nous. Allez, c'est fait. Raikkonen officiellement troisième de ce Grand Prix. Et on va accueillir une belle quatrième place pour Stoffel Vandoorne qui partait 16e. On a sauvé les meubles du côté de chez McLaren. Voilà, Stoffel Vandoorne qui sort du dernier droit. C'est fait, quatrième place pour le pilote belge. Yeah, thanks Jeff. That's a good recovery after the bad days of Friday and Saturday. So thanks for the car, it was a pleasure to drive. And we bring some points to the factory, so it's good for us. And thanks for everything. And congratulations again to Fernando for this new win. That's really, really good for the team. Et on sent le regret et l'angoisse dans la voix de Stoffel Vandoorne, alors que du côté, eh bien, du box McLaren, on se réjouit de cette troisième victoire de la saison. Déception pour Daniel Ricciardo, septième. Alors que les pilotes arrivent sur le podium, victoire donc de Fernando Alonso. Ah, il est content, le pilote espagnol, puisqu'il prend désormais la tête du championnat pilote. On va découvrir ça une fois les trophées remis aux différents pilotes. Et Ferrari qui se retrouve donc de nouveau derrière Mercedes hein, sur le podium. Dommage. Et voilà donc les résultats de ce Grand Prix avec donc la victoire de Fernando Alonso. Et de nouveau, Jordan King dans les points. Le classement général avec désormais 10 unités d'avance pour Alonso devant Stoffel Vandoorne. Bottas conserve sa troisième place. Raikkonen passe quatrième. Ricciardo et Hamilton chutent également. Remontée de Romain Grosjean. La 11e place de Jordan King est de nouveau sauvé avec de nouveaux points. Rien à se mettre sous la dent pour l'instant pour les pilotes Sauber. Notamment, voici le classement général avec un retard désormais de 54 points pour l'équipe Mercedes face à McLaren qui, vous allez le voir, va de nouveau faire évoluer sa voiture pour le Grand Prix de Catalogne. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On va tout doucement refermer cette diffusion du 4e Grand Prix de la saison. Merci pour votre présence et votre fidélité. On se donne rendez-vous désormais en Europe pour voir qui tirera les marrons du feu en Espagne. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Reposez-vous bien et d'ici là, rendez-vous en Espagne. À la prochaine. Au revoir.